Bonjour à tout le monde, vous nous suivez de partout, c'est votre émission déjà, vous êtes habitués de suivre cette émission Les Grands Rendez-vous présenté par le journaliste Ordali Djeku. Je vous dis sincèrement merci, vous étiez tellement nombreux de suivre la précédente émission et vous nous avez contacté de partout, de Majesté, là je pense à l'initiatrice de cette fondation Etosa, Maman Benita Bentumu, vraiment que Dieu vous bénisse pour ce Saint-Esprit qui vous a piqué de créer cette fondation. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la gestion des eaux usées domestiques. J'ai reçu pour vous un ingénieur issu de l'université de Kinshasa, de la faculté des sciences agronomiques, département de gestion des ressources naturelles, un expert en gestion des eaux et du sol. Je suis avec ingénieur Roger. Bonjour ingénieur Roger. Bonjour monsieur Ordali. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et je suis tellement ravi de vous recevoir ce matin dans cette émission Le Grand Rendez-vous. Un petit mot pour le public qui vous suit. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est moi qui suis très content de votre invitation parce que nous devons vraiment parler, nous devons vraiment vulgariser de quoi il s'agit quand on parle de la gestion des eaux usées domestiques. Voilà. Avec l'ingénieur Roger Kalonga, nous allons essayer d'éclairer la lanterne de la population congolaise en général et en particulier et en général le monde entier sur la gestion des eaux usées domestiques. Dès l'entrée du jeu, cher ingénieur, il y a une personne qui s'appelle Gédéon Kalama. Il m'a dit oui, c'est vraiment une très bonne thématique, mais les gens veulent comprendre, c'est quoi les eaux usées? Dès l'entrée en jeu, très brièvement parlant, lorsqu'on parle d'une eau usée, c'est tout simplement une eau qui est souillée ou polluée suite à un usage particulier. Donc, lorsque nous utilisons une eau, nous avons fait un certain usage et après cela, cette eau sera polluée ou souillée. C'est là qu'on parle d'une eau usée. Voilà, c'est vraiment très bien avec cette réponse. Je promets au public qui vous nous suivez que ça sera vraiment une émission très spécial et vous allez découvrir l'expérience et puis les talents, bon non seulement les talents mais vous allez découvrir la connaissance qui sera éjaculée par l'ingénieur Roger Kalonga. Bon ingénieur, d'où provient ces eaux usées? En fait c'est une très bonne question parce que de nos jours les gens voient ou parlent toujours des eaux usées sans pour autant savoir d'où proviennent celles-ci. Les eaux usées proviennent, comme je le disais tantôt, des usages différents. Lorsque nous sommes dans un ménage, lorsque nous sommes dans une exploitation agricole, lorsque nous sommes dans une industrie, toutes ces pratiques produisent des eaux. Donc, nous pouvons dire très brièvement que les eaux usées proviennent des différents endroits, entre autres le ménage, les industries, ainsi que les exploitations agricoles. Ok, donc nous comprenons déjà les différentes provenances des eaux usées. Et maintenant, est-ce qu'il y a-t-il des appellations par rapport aux provenances de ces eaux usées? Effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure. D'abord, les eaux usées sont classées différemment et les différentes appellations, tout en dépendant de leur source de provenance. Comme notre thématique le stipule, les eaux usées domestiques,
c'est déjà dans nos maisons, c'est déjà dans nos ménages, mais ici nous avons d'autres catégories qui sont dans les eaux usées domestiques. Par exemple, nous avons les eaux usées ménagères ou les eaux usées grises. Celles-ci sont ici, par exemple, dans nos différentes cuisines, lorsque nous faisons notre cuisson, dans le lavabo, dans le salle de bain. Nous avons des eaux que nous utilisons. On appelle les eaux usées grises ou les eaux usées ménagères. Et en dehors de ça, nous avons les eaux usées vannes. Ce sont des eaux usées qui proviennent des toilettes. C'est-à-dire, dans nos toilettes, nous avons les eaux que nous mettons après avoir fait nos grands besoins. Ce sont ces eaux-là que nous appelons les eaux usées vannes ou les eaux usées noires. Et en dehors de ça, nous avons les eaux usées industrielles. Ce sont celles qui sont issues des industries des produits manufacturés. Nous avons plusieurs industries, des fabrications de savons, de différentes fabrications de différents produits. Ce sont des eaux usées industrielles. Et en dehors de ça, nous avons aussi les eaux usées agricoles. Ce sont des eaux qui sont issues des exploitations ou des bâtiments d'élevage, par exemple. Lorsque nous lavons le bâtiment d'élevage, lorsque nous avons des poulaillers, des porcheries. Toutes ces eaux-là, ce sont des eaux usées agricoles. Et nous pouvons aussi ajouter un aspect, des eaux usées hospitalières. Ce sont des eaux ici de différents hôpitaux. Puisque vous savez, dans un hôpital, il y a des malades, ils ont aussi des différentes utilisations, il y a des laboratoires. Toutes ces eaux-là sont appelées les eaux usées hospitalières. C'est brièvement ça, les différentes appellations par rapport à la source de provenance. Vous allez comprendre avec moi que c'est un ingénieur en gestion du sol et de l'eau. Et c'est vraiment de la connaissance. Là, je salue le professeur Bolaluembe Piclode qui nous suit déjà depuis son bureau. Et puis je salue le professeur Baraka Prince qui nous salue depuis quelque part. Et je salue aussi l'ingénieur James Mwenda et pourquoi pas à l'ingénieur Maëlle Jonathan et Glody Ngangwa. Vous nous suivez de partout et je vous signale que cette émission est sponsorisée par la pharmacie Medoc. La pharmacie Medoc, une spécialité européenne. Vous avez un problème de la santé, vous avez une ordonnance qui vous complique, il suffit juste d'appeler ces numéros et puis la pharmacie Medoc va vous livrer les produits en spécialité européenne, je précise bien. C'est sur la commune de Kalamu, quartier Matongé, avenue du stade numéro 35. Passez par là, vous allez trouver, la pharmacie est là, le gérant est là. Et puis, je précise et je souligne bien, c'est la spécialité européenne. Voilà, cher ingénieur, étant donné que nous sommes en train de parler de la gestion des eaux usées, il y a une question. Et cette question, parce que c'est une émission dont les questions proviennent de nos publics qui nous suivent. Et ce matin, j'ai eu un coup de fil de mon pasteur, le pasteur gentil, Kalama Jacob, que je salue en passant, il m'a dit est-ce que ces eaux usées peuvent être aussi recyclées? Oui, très bonne question. Les eaux usées vont vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine qu'elles soient recyclées. Tout simplement parce que lorsqu'on recycle une eau usée ou les eaux usées en général, nous suivons ou nous poursuivons un objectif particulier. L'objectif peut être de jeter ou de rejeter dans le milieu naturel ou encore recycler et puis traiter pour une nouvelle consommation.
Donc ça vaut vraiment la peine de recycler de l'eau, étant donné que nous sommes en train de lutter contre la carence hydrique que notre population est en train vraiment de subir. C'est vraiment très important de recycler une eau usée pour non seulement disponibiliser de l'eau, mais aussi protéger notre environnement contre toutes sortes de pollutions. Et puis, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les traitements des ressources en eau et puis l'assainissement des eaux usées? Effectivement, il y a une différence. Le traitement des eaux, ou un traitement tout simplement, c'est un ensemble de procédés qui concourent à la dépollution d'une eau. Donc cet ensemble de procédés qui vont aboutir à un traitement ou à une dépollution, une désinfectation d'eau. C'est ça ce qu'on appelle un traitement. Tandis qu'un assainissement, c'est juste un système d'évacuation. En ce qui concerne les eaux usées, c'est un système d'évacuation. J'en profite aussi pour préciser que ici nous avons deux types d'assainissement. Nous avons l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. On parle d'un assainissement collectif lorsque nous sommes dans un milieu où les maisons sont vraiment très entassées, lorsqu'il y a des constructions vraiment, je dirais, anarchiques. Là, nous avons un seul égout d'évacuation. Toutes les maisons dirigent leurs tuyaux vers cet égout d'évacuation. Là, on parle d'un assainissement collectif. Et l'assainissement non collectif est celui dont l'évacuation est autonome, est individuelle. Ceci c'est vu plus dans le milieu ruraux où les gens sont vraiment disséminés de part et d'autre. L'assainissement est un traitement et cet assainissement aboutit à un traitement, puisque lorsqu'on assainit, c'est juste une évacuation des eaux et ces eaux sont dirigées vers une station d'épuration, lequel va permettre de traiter ou de purer les eaux qui sont polluées. Donc le traitement vient juste après l'assainissement. Ce sont les deux mots qui sont simultanés et qui sont bien sûr différents. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je sais que vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Là, je pense à mon ami personnel Meshak Kalam, en tout cas merci. Et merci à l'honorable Hugues Kobo. L'honorable Hugues Kobo, le Moïse de Massina, en tout cas merci pour le soutien que vous nous portez à cette émission. Ingénieur, vous nous avez dit que, parce que nous sommes en train toujours de parler sur la gestion de ces eaux usées, que ces eaux usées sont les eaux parfois polluées, donc les eaux polluées après tout usage, tout ça. Mais est-ce que ces usages peuvent aussi rendre ces eaux toxiques? Effectivement, parce que la toxicité, c'est autrement dit la nocivité ou encore un excès d'un produit quelconque dans une eau. Les cas que nous sommes en train de parler ici. Donc, tous les polluants sont bien sûr peuvent rendre cette eau très toxique, puisque la toxicité c'est l'excédent. C'est lorsque un élément se trouve au-delà des normes qui sont prescrites. C'est là qu'on parle d'une toxicité. Et ceci peut avoir une influence non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Ok. Est-ce que la notion du genre a aussi une influence sur la gestion des eaux usées? Le genre n'influence pas.
pas directement, mais ça peut avoir une influence dans la mesure où, dans un ménage, parlant des eaux usées domestiques, dans un ménage, c'est plus les femmes qui font la lessive, la vaisselle et autres. Nous pouvons parler dans ces sens-là, mais il n'y a pas vraiment un lien entre la pollution des eaux usées, des eaux et le genre. Parce que on peut aussi trouver, par exemple, les cas des hommes. Il y a des hommes, des garçons. Est-ce que nous allons parler de genre? Parce que les hommes aussi polluent l'eau. Il y a aussi les hommes de femmes. Les femmes polluent l'eau dans leur homme, ainsi que les hommes polluent aussi l'eau. Excusez-moi de parler des hommes, je parle des hommes, des humains. Les hommes, avec un seul M, des bâtiments, oui, en fait, oui. Où les gens habitent. Oui. Voilà, j'essaie un peu de mettre cette nuance. Alors, les genres n'influencent pas directement sur la pollution. C'est juste question de l'utilisation, c'est juste question des différentes attributions que chacun a dans un ménage. C'est un peu ça brièvement. Donc le genre n'influence pas vraiment à 100%. Mes chers ingénieurs, avec beaucoup de maquillage que les femmes font lorsqu'ils partent à la douche, est-ce que ces maquillages aussi ne sont pas vraiment toxiques, ne peuvent pas rendre toxiques ou nocives ces eaux usées, vous ne pensez pas? Bon, elles peuvent faire du maquillage, ouais. Mais comment est-ce qu'elles enlèvent ces maquillages? Et où est-ce que ces eaux-là se dirigent? C'est là où il y a le problème. Elles peuvent faire le maquillage, elles viennent le soir, elles prennent une certaine quantité d'eau, elles suent et la quantité reste sur le sol, là où elle est. Mais il y a des autres qui peuvent aller peut-être dans la salle de bain, prendre une certaine quantité d'eau, essuyer le visage, et puis l'eau va se diriger vers l'égout pour être évacuée afin d'aller dans le milieu naturel. Donc tout dépend de l'utilisation, de la façon dont chacun utilise ou chacun fait son usage de l'eau. Voilà, je suis toujours avec l'ingénieur Roger Kalonga. Je signale que c'est un ingénieur spécialiste en sol et l'eau. Vous sentez déjà la matière qui est en train d'être éjaculée. Ouais, merci parce que vous êtes tellement nombreux. Aujourd'hui, je veux que vous faites péter mes abonnements parce que vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Là, je pense bien à mon ami personnel Joël Camille et pourquoi pas à Yannick Massebe, l'ingénieur Yannick Massebe. L'émission Le Grand Rendez-vous a toujours besoin de vous. Vous êtes tellement nombreux là, je pense à mon ami ingénieur Arc Savi. Tu me suis depuis quelque part, mais pourquoi pas à l'ingénieur Eluel. Tu me suis depuis quelque part à mon ami Joël Ikoko. Merci, vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Et je signale que l'émission Le Grand Rendez-vous, ce n'est pas seulement une mission scientifique, mais nous recevons aussi le pasteur, les hommes de Dieu, le chantre, les entrepreneurs. Vous avez votre magasin, boutique et vous voulez faire des publicités, contactez-nous. Donc nous sommes ouverts et puis nous sommes opérationnels 24/24. Oui, nous continuons toujours avec l'ingénieur Roger. Ingénieur Roger, il y a une maman, elle a dit papa, est-ce que ce qui m'a mêlé maille? Il y a une question. Est-ce que ce qui m'a mêlé maille, a belli n'a été? C'est que maille, on a dit la consommation. A belli, c'est que maille, on a pesé la consommation. Une question qui touche plus le domaine médical, mais à mon niveau, je vais répondre dans ce sens.
lorsqu'on prend une eau. Maman, on attend pour ça qu'il y a une réponse à Lingala. Lingala, oh. Mais je précise que c'est maman, mamie, Bongo, c'est ma mère. Okay. Voilà. Bon, ce que tu as mis les mailles, et que habilité. Cela ne veut pas dire que l'ingé ou la kisate que maïo anéza propre toéza mabé. Donc tout dépend. Nanzoto na biso, il y a ce qu'on appelle les anticorps. Il y a ce qu'on appelle les anticorps. Eza na ba maï o régie des eaux atindaka. Mouton sou po melango, il faut atia kisi. Po anine po so a meliango abelaka. Moussou soit améli, habilité. Donc, ces questions, nous allons dépendre de l'anticorps et de notre abysso. Donc, si nous sommes améli, maï et habilité, cela ne veut pas dire que maïwaneza mabe, toza malam. Nous allons dépendre de la façon où nous sommes abysso, nous sommes yambela, maï, ou abysso, to mela. Donc, ils ont un sens. Ils ont le bateau, ils ont un maï, ils ont un ya rivière, ou mela, ils ont un belité, ou le maïwaneza bien. Non, c'est question des anticorps. Total, on a bande de combis, on a bâti ma boma. Oui, oui. Mais la maï, maïnionce, au coup, maï, ya, terrassé. Est-ce que babelaka qui vont les consulter pour savoir si on a bâti ou pas? Donc, c'est question que ce qui nous a donné, c'est messani, na maï, ozo, mela, au moins, on a dit que ma bé, mais au bélité. Mais ce qui au message n'angote, ils ont montré pourquoi ce mutolongo qui s'assoit à Kena Mboka, par exemple dans un village, une province, et belé ba Kena na maï moulangi. Pour ba message na nuté na maï au ba Kena okutakuna. Donc ce qui veut dire que ce mutolongo il part avec sa bouteille ou son paquet d'eau, ça veut dire qu'il veut s'assurer que l'eau que je vais prendre dans ces milieux va convenir ou va s'adapter à mes anticorps. C'est brièvement ça, ce n'est pas lié déjà ce qui muto belité mayoneza mala muto za mabé. Yon se dépend de la façon nzoto na biso zo yamela. Est-ce que may union surtout avant muta mela il faut za traiter. Traitement ou pas, moi je pense que ça doit vraiment être traité. Pourquoi? Maï au régime des Oatine de la Bisso, à Zangote Mbalamoko, na régime, na point de captage, à Tia on a Katia Tiotri, à Tine de la Bisso. À Zouaka, à Kenango, à traité et puis à Tindi. Ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour rien qu'il fait ça, mais c'est parce que l'eau, on doit s'assurer que cette eau est potable, cette eau est digne d'être consommée. Nous devons s'assurer que l'eau que nous consommons est digne d'être usée, est digne d'être consommée. C'est la parole de l'ingénieur Roger Kalonga, un ingénieur issu de l'université de Kinshasa. C'est une émission bilingue, donc vous comprendre Lingala, moi français côté, donc c'est un peu ça, c'est l'ambiance de l'émission. Et merci, je pense à mon papa Godet ici au même, pourquoi pas un bébé intelligent, bébé noblesse Djeku. Vous nous suivez de quelque part, merci à Afia Iyele et Afia Bumbumba, vous nous suivez de quelque part, merci à vous. Vous êtes tellement nombreux, abonnez-vous massivement à la chaîne Etosa Télévision. Etosa Télévision, abonnez-vous massivement pour ne rien manquer, vous aurez toutes les notifications qui seront prêtes à vous donner. Voilà, ingénieur, nous partons lentement et sûrement à la fin. Mais il y a une question qui nous est venue comme ça. Qu'est-ce que vous pourrez proposer étant un ingénieur pour pallier à ces problèmes de l'eau en général et l'eau potable en particulier? C'est vraiment une très bonne question, une question qui demande beaucoup d'attention et surtout à notre population
qui, moi personnellement, souffre vraiment des carences en eau. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Parce que nous sommes vraiment en possession d'une très grande ressource en eau, qui est le bassin du Congo. Et nous, dans ce pays, nous ne devrions pas parler d'une carence en eau. Alors, pour pallier à ces problèmes, nous devons être très, très rigoureux lorsque nous sommes en train d'utiliser l'eau qui nous est envoyée par la Régie des eaux. Puisque pour l'instant, d'ailleurs, la Régie des eaux, c'est la seule institution qui a le monopole pour la distribution sur le plan public. Mais néanmoins, la loi a été déjà promulguée pour donner, pour libéraliser le secteur de l'eau. Puisque même un particulier pour l'instant peut bien sûr traiter, peut bien sûr mettre en place son industrie de traitement des eaux et puis distribuer dans la population. Alors, pour pallier à ces problèmes, nous devons avoir une utilisation judicieuse de notre eau, parce que en faisant ça, nous allons aider notre institution qui est la Régie des eaux. Nous avons des ressources en eau où la Régie des eaux puise afin de traiter et puis nous envoyer. Puisque ça, il s'agit d'un cycle qui se passe. La Régie des eaux va puiser dans une rivière, dans un point de captage. Elle traite, elle nous envoie, nous utilisons, nous produisons des eaux usées, nous allons préserver nos ressources en eau. Avec de telles pratiques, en tout cas, nous pouvons en parler jour et nuit, mais à la fin, il n'y aura aucune solution parce que cette eau sera rejetée dans le milieu naturel sans être épurée, ni traitée, ni dépolluée. C'est un peu ça d'abord le problème. Le problème, c'est à la base, nous devons voir les stations d'épuration qui doivent être construites en quantité et en nombre suffisant. Oui, ça, koyoka makambo moko epesima souci. Mais je crois que nous devons aider ces pays parce que le développement de ces pays ne dépend pas seulement du président de la République, mais ça relève de la responsabilité de tous les citoyens congolais. Et voilà un ingénieur qui maîtrise vraiment très bien cette matière de la gestion des eaux. Vous voulez contacter l'ingénieur Roger Kalonga, c'est encore trop simple. Contactez-nous. Appelez-nous dans cette émission et nous allons le contacter si facilement. Nous sommes arrivés presque à la fin. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Là, je pense à mon ami personnel, Meshak Kalama, la famille Kalama, Keren Kalama, Gédéon Kalama, Mo Impia Kalama. Vous êtes tellement nombreux, ma sœur Dorcas Djeku, pourquoi pas à Evodi Lingoya et à mes petits frères Eli Djeku, Mervedi, Bunganga, Freddy. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Je ne peux jamais oublier mon ami présentateur Alphonse. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce travail de très bien que vous êtes en train de faire. Et je profite aussi l'occasion pour saluer Sandra Bentoumou. Vous nous suivez depuis Comité de Limité. Merci à l'architecte intelligent Dom Bentoumou. Et puis, vous avez un problème spirituel qui vous dérange. Et vous avez fait beaucoup de choix par rapport aux églises et que vous ne trouvez pas de solution. Je vous propose l'église Ensemble Chrétien Bethléem de Judée qui se trouve dans la commune de Massy, dans le quartier 3, Siforco, pour rencontrer le pasteur Gentil Kalama qui reçoit chaque mardi, jeudi et samedi à 16h juste. Il est disponible pour vous. Soit contactez-nous à travers cette émission, nous allons vous
communiquer, ou soit nous allons vous montrer l'adresse de l'église. Voilà. Je ne peux pas terminer cette émission sans dire merci à Berger Taylor Kalama. Voilà, les grands rendez-vous, c'est pour vous. Vous avez besoin de passer, contactez-nous, nous sommes là. J'avais très bien précisé que Esa émission, il y a Bissonions, Bachantre, Politicien, Scientifique. Venez, appelez-nous, contactez-nous. Voilà, ingénieur Roger, nous sommes presque à la fin. Nous sommes devant les autorités, les cadres, les scientifiques de ces pays. Tous nous suivent, vous suivent. Quel est votre mot de la fin par rapport à cette gestion, par rapport aux enjeux principaux pour la meilleure gestion de ces eaux usées? Les mots de la fin. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. C'est vraiment. Ça fait vraiment très mal de constater que dans un pays comme le nôtre, nous puissions assister à des situations pareilles. Alors, les enjeux face auxquels nous devons faire face, nous devons marteler, nous avons d'abord les enjeux économiques. Nous avons les enjeux environnementaux ainsi que les enjeux sociaux. Pour ce qui est des enjeux économiques, nous devons voir parce que les investisseurs qui peuvent venir ici au pays, les touristes ne peuvent pas vraiment venir dans un endroit où la salubrité ou un endroit sale, si je peux dire ça comme ça, puisque dans un environnement où il y a une pollution élevée, nous ne pouvons pas parler de visiteurs. Quelqu'un ne peut pas visiter, venir vous voir, trouver que votre maison n'est pas propre et puis venir encore une fois de plus. Non. Donc nous devons nous assurer que notre milieu est assaini à 100%. Ainsi, nous pouvons parler des enjeux économiques, nous pouvons mettre des sites touristiques que les gens peuvent venir visiter et puis nous allons nous développer sur le plan économique. Les enjeux sociaux, nous devons nous assurer que l'homme congolais est servi ou est desservi en une eau de qualité, une eau potable qui est saine et dépourvu de toutes sortes de microbes possibles. Et les enjeux environnementaux, il y a l'ingénieur Gabriel Ona et l'ingénieur Samba qui ont travaillé vraiment, vraiment sur ces sujets. Ben, je les salue aussi, ouais. Mon ami Samba, ingénieur Samba Christian, je vous salue aussi. Effectivement, ils ont travaillé sur les enjeux environnementaux, ils ont travaillé sur les paramètres physico-chimiques ainsi que bactériologiques des eaux de forage. On va voir est-ce que l'environnement, est-ce que l'eau que nous prenons, est-ce que tout ce qui nous entoure a une influence sur la qualité de l'eau. Donc nous devons vraiment voir cet aspect-là, nous devons vraiment nous assurer que notre environnement est sain ainsi que la qualité de l'eau que nous consommons est vraiment, vraiment dépourvue de toutes sortes de microbes pathogènes. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. J'ai lancé un appel à tous ceux qui veulent soutenir la fondation et tout ça. C'est une fondation qui soutient, qui sauve des vies, des orphelins, des femmes veuves, des démunis. Donc vous voulez soutenir la fondation, appelez juste dans ces numéros. Bon, avant que je conclue cette émission, ingénieur, moi des toutes trois salutations aux gens qui vous suivent. Bon, je salue très particulièrement monsieur le doyen de la faculté des sciences agronomiques, professeur ordinaire Charles Kinkel Assavi. Je salue la famille
Béa Chimpampa Gilles, ainsi que Madame Scolastica Pinga, tous les bureaux d'investigation agronomique, je vous salue, chapeauté par son président Joël Ikoko, Léonie Monia, je te salue, ainsi que tous les étudiants de la faculté des sciences agronomiques, tous les délégués facultaires, sentez-vous à l'aise, cette émission vous appartient et soutenez vraiment l'émission pour un bon avancement. Merci. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Je dis merci au nouveau président du département de la jeunesse de l'Assemblée chrétienne Bethléem des Judées, Joël Kalama. En tout cas, félicitations à vous. Mon ami Joël Camille, félicitations, merci parce que vous suivez vraiment de près cette émission. Vous voulez soutenir cette émission, c'est encore simple. Appelez-nous, nous sommes 24 sur 24 et je signale que cette émission passe sur Merveille Télévision chaque mardi à 22h15 et samedi à 11h15. Vous allez nous suivre au travers cette chaîne de télévision. Je salue tout le monde qui nous avait appelé de partout pour toutes vos remarques et suggestions. Nous sommes là. Ingénieur Yannick, le plateau est là. L'émission, les grands rendez-vous vous attend. Yannick Massebe, je précise bien. Et puis pourquoi pas l'ingénieur Josué Ngombe. Nous vous attendons avec les bras ouvert. Voilà, retrouvons-nous à la prochaine occasion, au prochain numéro. Nous allons encore recevoir un autre invité. Bon, je ne sais pas encore si ça sera un chantre, un pasteur, mais retrouvons-nous à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Etosa Télévision. Et là, j'ai conclu par dire merci à Dieu et merci à l'initiatrice de cette chaîne YouTube et de la fondation et tout ça, Maman Benita Bentumu. C'est moi, votre présentateur Ordali Djeku et aussi un ingénieur forestier issu de l'UNIKIN. Et je ne peux pas terminer sans pourtant saluer mon jumeau. Je dis bien mon jumeau. Ingénieur forestier Arthur Boumemo. Merci de suivre cette émission. Retrouvons-nous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci.